Bonjour, vous êtes bien sur Immo Motivation. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de Justin Kokolo Longo, ce brave officier de l'ANC, l'armée nationale congolaise. En 1960, juste après l'indépendance de la République du Congo de la Belgique, la force publique changeait son nom en armée nationale congolaise, ANC. Justin Kokolo Longo, né en 1913, mort le 21 novembre 1960, était un officier de l'armée nationale congolaise. Justin Kokolo est né en 1913 à Mayombé dans une famille issue de la tribu Yombé, au Congo belge. Il s'engage volontairement dans la force publique en 1936 et atteint rapidement les grades de caporal et de sergent. Il est l'un des 4 soldats congolais de l'armée à avoir atteint le grade d'adjudant avant l'indépendance du Congo. Kokolo entretenait des liens étroits avec le président Joseph Kasavubu, un compatriote Mukongo, Yombé comme lui, qui cherchait à le protéger des troupes indisciplinées. Le 8 juillet 1960, Kokolo, en tant que le plus ancien des adjudants, est nommé par le gouvernement congolais commandant de la garnison du camp Léopold II, actuel camp Kokolo. Peu de temps après, il atteint le grade de lieutenant, colonel de l'armée rebaptisée Armée nationale congolaise, ANC. En fait, le 4 juillet 1960, il y a eu une crise au sein de la force publique, les soldats se sont mutinés. Ceci est la raison qui va pousser Patrice Lumumba, le premier ministre du premier gouvernement après l'indépendance, de créer l'armée nationale congolaise, ANC, commandée par les officiers congolais. Le 11 juillet, Kokolo est envoyé de Léopoldville à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, au Katanga, pour superviser l'africanisation des officiers de la garnison. Cependant, ce soir-là, le gouvernement provincial a fait sécession et Kokolo a été immédiatement expulsé du Katanga à son arrivée. De là, il s'est envolé pour Luluabourg, l'actuel Kananga, afin de rendre compte de la situation au président et au premier ministre. Le 21 novembre 1960, Kokolo a tenté de pénétrer de force dans l'ambassade du Ghana à Léopoldville pour exécuter un ordre d'extradition contre Nathaniel Azarko Welbeck, le chargé d'affaires à intérim du Ghana. Ce dernier a été accusé d'ingérence dans les affaires intérieures du Congo. L'ambassade du Ghana a été assiégée par l'armée nationale congolaise pour avoir prétendument comploté avec Patrice Lumumba, alors déchu, contre le régime en place. Les casques bleus de l'ONU qui montaient la garde ont résisté et, dans le conflit qui s'en est suivi, Kokolo et 3 de ses hommes ont été tués. Dès que la nouvelle de sa mort a été annoncée, les soldats se sont révoltés dans toute la ville. Kokolo a eu droit à des funérailles grandioses. Le président Kasavubu et son gouvernement lui ont rendu hommage de manière officielle. Le camp Léopold II a été rebaptisé en son honneur, camp colonel Kokolo. Ce camp est devenu actuellement le QG des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à Immo Motivation. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.